Allez. C'est là où le langage est intéressant, sur la graduation, sur les nuances, sur la clarté. Et puis là aussi, vous allez être encore plus dans un truc où ça va vous appartenir. On le voit bien, comment il y en a qui vont parler fort, comment il y en a qui vont se déplacer, comment avec votre corps. Moi, j'ai vu des trucs de dingue, c'est une copine là. Pour faire ses 360, bon, qu'elle appelait pas du tout comme ça d'ailleurs, hein. C'était une espèce de truc, elle avait une espèce de code avec son cheval, elle faisait je sais pas quoi, elle se mettait sur le côté, elle levait les bras, je crois, enfin un truc, c'était trop drôle, et le cheval, chouf, ça l'aspirait, ça le renvoyait instantanément, une espèce de truc, je sais pas du tout comment elle avait posé ça, c'est là que je dis, si vous faites blablabla, et que l'autre il fait une pirouette arrière, un saut périlleux, triple salto, c'est génial, on s'en fout, tant que vous avez de la crédibilité dans ce que vous donnez. On a le comité d'accueil. Allez, c'est l'heure des gratouilles et des bonjours. Alors, tu vois, ce qui est très drôle, c'est que... Donc là, c'est la maman avec le petit. Ouais. Et Tempo, qui n'a rien à voir, qui est un copain du troupeau, à chaque fois qu'il y a une naissance, eh bien, il s'approprie le rôle du tonton. En fait. Oui, c'est lui le protecteur. C'est lui le protecteur, exactement. Allez, on est parti. C'est étonnant, je trouve, l'ambiance qu'il y a dans le troupeau ce matin. Ils sont très calmes, en mode on a mal dormi. Mais en même temps, t'as vu, ils sont tous venus nous faire des câlins et tout. Oui, il y a un truc. C'était étonnant. Allez, on va mettre tout le monde là-bas. On met tous ensemble ? Ouais, on met tous ensemble. Ils se connaissent. L'idée, c'est d'avoir en tête donc ces 3-4 exercices qu'on a vus ce matin. Vague, trèfle, spirale. C'est parti, Fredou. Et c'est toi qui redemanderas le pas avant qu'elle te le vole. Oui. Est-ce que tu es d'accord tout de suite de demander un viens vers moi? Parce que pour moi, c'est ça qu'elle est en train de te proposer. Exact. Voilà, donc tu vois, ces quelques secondes d'automoteur, ça l'a connecté à un endroit d'elle et de toi qui l'a remis beaucoup plus en confiance. Génial.
Ok, gros câlin pour ça, super. Est-ce que vous avez réussi à le voir le moment où elle a demandé à Fred de venir? Ouais. Génial. Bah, je te jure que j'imaginais, c'est... mais quand je suis rentrée, je me suis dit, je verrais bien. Quoi. Bien enfin... sûr, mais c'est intéressant que tu nous dises ça. La première chose que tu déposes, c'est je pensais pas que ça allait se passer aussi bien. Je te jure que quand tu arrives à rentrer dans un rang en disant, je suis sûre que ça va se passer au mieux, et je me fais pas de film, je sais très bien que le au mieux, c'est parfois des choses qu'on n'attendait pas et qui sont pas si simples. Mais ça change beaucoup de choses. Cette neutralité dans laquelle tu peux rentrer dans un rond en te faisant. On se regarde tous les deux, on fait. Salut. Donc on n'oublie pas ce qu'on a dit ce matin, que la mise sous pression et en inconfort, elle est importante et nécessaire. On n'oublie pas derrière de trouver la zone et l'espace où il y a du confort et un relâche de pression. Donc là, typiquement, si tu es OK qu'ils te regardent et que c'est OK qu'ils viennent, il faut que toi, tu ouvres vraiment la porte à l'intérieur de toi. Voilà, super. Parce qu'en fait, quand tu dis langage du corps, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose qui, eux, leur parle, parce qu'eux, ils discutent comme ça entre eux. Oui. Mais du coup, il y a une sorte d'adaptation où nous, en fait, on doit se transformer un peu genre en cheval, mais en même temps, créer notre propre langage avec eux. Bien sûr. Eux, ils apprennent à parler avec nous. Bien enfin... sûr, bien sûr. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que comment deux espèces peuvent se rencontrer dans un endroit où, quelque part, ils doivent créer un nouveau langage commun. Elle date depuis des milliers d'années, cette histoire-là. On est capable de se comprendre aussi différent qu'on est, j'en suis persuadée. On reste des animaux capables de discuter avec un langage non-verbal. Vous le savez, hein, que même dans notre communication humaine, il y a plus de 50% de non-verbal. Mais c'est là où il y a c'est toute la différence de ce que vous faites ici depuis ce qui se passe depuis des milliers d'années avec les chevaux. C'est que pour la première fois, on dit que c'est à nous adapter à leur langage. Alors que ça fait plus de 5000 ans, 8000 ans, 10000 ans qu'on dit aux chevaux, adaptez-nous, adaptez-vous à notre langage, que quand on vous met un mort dans la bouche et qu'on tire sur les rênes, ça veut dire s'arrêter. Il n'y a aucun cheval qui a mis un mort dans la bouche à un autre cheval. C'est illogique dans sa tête de cheval. Je peux être avec des longues rênes invisibles derrière mon cheval. Je chope l'œil gauche, je chope l'œil droit. Ça, c'est génial. Ça, ça les active vraiment à réfléchir. Ça les active vraiment dans la confiance. Donc, ils disent, oh, ok, bah, mais pourquoi tu me suis? Non, je ne te suis pas, je te guide. Et je te guide en étant derrière toi. Donc ça, c'est quand même des beaux exercices de confirmation. Mais qui peuvent être des sacrées clés. Hein. Donc, c'est ça qui est tellement intense avec ce cheval, particulièrement lui, hein, et intéressant, c'est la subtilité, tu vois, permanente du long lapin. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis très attentif à ça. Oui, là, il est très joli, là. Peut-être un bien vers moi, juste derrière, je ne sais pas. Hein. Voilà, je vais vous le rappeler. Donc lui aussi, c'est ça que j'aimais, même s'il y a eu beaucoup plus de réponses, on va dire, parasites par rapport à Jacques, il n'empêche qu'il est tout le temps resté avec lui. Bien, allez, 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 on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Super. Reste bien derrière ses fesses. Plus d'énergie avec ton corps. Rappelle-nous comment t'as dansé sans ton stick l'autre jour. C'était tellement beau. Toi
Thomas, tu veux pas juste la faire courir, ta mule, s'il te plaît, applique-toi. Oui, mais non, mais j'y arrive pas, il y a trop de chute, trop de passé avec Vala. Ok, mais tranquille, tranquille. Oh, elle est liée pour rien. Regarde, là, va lui faire une caresse, s'il te plaît. Lâche ton stick. Lâche ton stick, Thomas, s'il te plaît, et va la caresser. Ton passé avec Vala, il t'appartient, il lui appartient. Elle, elle a rien demandé. Tu vois, là, en train de se poser oui, beaucoup non, de questions. Ça, c'est toi qui as demandé, Loulou. Tout va bien, va lui faire un câlin, s'il te plaît. Elle était vraiment en paix avec cette partie d'elle, de son cerveau, de son esprit. Et puis de temps en temps, en fait, elle changeait d'état, moi aussi. Et du coup, là, on rentrait dans un espèce de conflit, parce qu'en fait, c'était la partie de moi avec laquelle j'étais le moins en paix. Et du coup, je sentais en fait que ça créait des tensions, et en fait, ça pouvait vite moins bien fonctionner. Effectivement, c'est ce qui a créé un peu le dysfonctionnement. Et puis après, bon, progressivement, j'ai réussi à réorchestrer à l'intérieur pour arriver à reprendre la connexion. Et du coup, en fait, je fais des efforts pour redonner une valeur positive à des parties de moi qui sont très douloureuses. Et en fait, je prends conscience que plus j'arrive à faire ça, plus j'arrive à créer une unité intérieure qui me permet de faire des belles choses. Ok, c'est être capable d'en mettre le moins possible, de mettre un soupçon de demande. Le cheval, il est capable de se connecter à un microgramme de... Alors, le vrai petit cercle, normalement, on bouge pas nos pieds, évidemment. Mais voilà, hein. C'est génial. Et là, petit à petit, tu vas pouvoir commencer à lui dire, super, sans perdre le mouvement, sans perdre le contrôle, sans te barrer complètement sur la piste, je veux que tu t'éloignes comme une longe qui s'agrandit et qui s'éloigne de moi. Excellent, c'est très très joli. Elle t'a pas quitté une seconde et je pense qu'il y a une sacrée jolie reconnaissance de vous deux, de ce que vous dégagez. Ok, tout le monde est là. Et ben, je veux bien un débrief de la journée. 5h10. Un débrief où on reprend comme on a commencé. Comment je me sens maintenant, avec ce que j'ai vécu, avec les partages avec les chevaux, avec quoi je repars à la maison, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce qui vient s'imprimer, s'engrammer en moi de ces séances. Ça passait, mais avec les chevaux, c'est, enfin, leur puissance et leur force en fait m'impressionnait, enfin me terrifiait quoi. Et puis petit à petit, j'appréhende à être à côté d'eux, à être... Et en fait, ça passe de la peur à une forme de fascination, en fait. En fait, je les vois comme des thérapeutes. En fait, j'ai le sentiment qu'ils sont tellement dans le présent et qu'ils sont tellement dans un amour de ce présent-là, quoi, et dans une écoute, en fait, de ce qu'ils ont autour d'eux. Qu'en fait, comme une espèce d'équilibre entre soi et eux, et que ça génère un échange juste, et qui nous connecte vraiment à ce présent, quoi, en fait. Ceux qui, dans notre société, un peu nous... On nous demande beaucoup de réfléchir à ce qu'on a fait et à penser à ce qu'on veut faire, et pas tant vraiment à être sur le présent, quoi. Et en fait, avec eux, on peut faire que ça, quoi. J'ai aussi beaucoup apprécié, du coup, pareil, le passage de tout le monde, que c'était très doux, très respectueux, enfin... Ça fait du bien aussi de voir plein de relations comme ça, entre humains et chevaux, qui est très, très douce par rapport à... aussi tout l'imaginaire, enfin, même dans les films et tout ce qui est... Enfin, toute la représentation des fois du rapport entre ces deux espèces, où il y a un truc de domination fort aussi et qui est violent, et
Et je trouve que là, c'était vraiment juste... Enfin, il n'y avait pas beaucoup forcément de mouvement, et justement, c'était très appréciable de voir qu'en fait, justement, ça pouvait être lent, ça pouvait être intense et profond, et que... Que tout est là, quoi. Enfin, c'était simple. La relation qu'on peut avoir avec un animal, est-ce que ça renvoie, est-ce que ça... Voilà, sur les points sur lesquels ça nous fait appuyer, c'est pas rien, quoi. Forcément, quand on a un animal aussi, ça fait miroir, donc on comprend. Aussi, on se sent moins seul, effectivement, parce que des fois, on peut trouver ça peut-être un peu anormal ou un peu bizarre de se mettre dans des états et tout, mais bon, on voit que c'est partagé, donc c'est que ça, comme ça, que ça doit se passer. Donc ouais, j'ai passé une bonne journée, enrichissante, c'était chouette. Plusieurs personnes, on a parlé de concentration aujourd'hui, il y a ce mot qui est revenu. C'est moi qui en ai parlé aussi quand je vous ai dit, voilà, ces exercices-là, ils obligent à être concentrés, et donc ils obligent au cheval à être concentré. Et puis il y a ce mot qui est venu s'écrire, concentration. C'est être centré avec. Et ça me parle bien de voir la concentration comme ça, c'est-à-dire le centrage avec soi et avec l'autre. Et il y a le mot connaissance qui est venu derrière, voilà, avec ce qu'on a fait ce matin. La naissance de quelque chose avec soi et avec l'expérience de ce qu'on vit. Voilà, pour moi, c'est exactement ce qu'on a vécu aujourd'hui dans le rond, c'est comment intégrer et le vivre pleinement. La hiérarchie des chevaux, elle est assez complexe. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de pyramidal avec un grand chef, puis des sous-chefs, puis des membres en dessous. C'est des choses beaucoup plus transversales. Et surtout, ce n'est pas parce que A domine B et que B domine C que C peut ne pas dominer A. Donc il y a des mouvements comme ça, perpétuels, en fonction des âges des chevaux, en fonction de la saison, mâle, femelle. Enfin, voilà, ça bouge beaucoup. Je dis souvent, c'est un peu comme la cour de récré, où il se passe plein d'histoires et plein d'aventures. Quand on introduit des nouveaux chevaux dans le troupeau, alors déjà l'idéal c'est qu'ils ne soient pas tout seuls, qu'on n'en mette pas un au milieu des 25, parce que forcément, un peu comme nous, c'est moins facile de se faire une place quand on est tout seul, d'avoir suffisamment confiance en soi et d'être bien accueilli. Donc l'idéal c'est au moins deux, là il se trouve que voilà, on a réussi à former ce groupe de quatre copines. Et à quatre, elles sont plus facilement fortes, j'ai envie de dire, pas une question de force physique bien sûr, mais en confiance pour pouvoir s'intégrer au groupe. Baila, elle est déjà venue dans le troupeau, mais par contre, les trois autres, tu vois, c'est vraiment la première fois qu'elle rencontre le troupeau. Tu vois, là, regarde la petite Surya, la petite jument tachetée. Quand même, waouh, ça l'intrigue, quoi. Elle se demande si elle va pouvoir aller dire bonjour à tous ces gens-là, mais pour le moment, c'est plus prudent de rester, mais de regarder quand même.
Et puis il y a Manouche qui est là. Alors je te dis, Manouche, c'est un peu mystérieux. Il y a plein de choses, je crois, en ce moment. Il y a le fait qu'elle est en chaleur. La noire, qui elle, fait pas du tout partie des quatre. Elle, c'est la chérie de Tempo. Et Tempo, en ce moment, il est en mission poulain. Donc je pense qu'elle peut se permettre de lâcher. Ça, elle aurait jamais pu le faire s'il n'y avait pas eu le poulain. Parce que Tempo, il est en permanence en train de la surveiller. Et parfois, quand on enlève Tempo, Manouche, elle est un peu contente aussi. Elle respire. Tu vois, genre, en gros... Mon super chéri me lâche un peu, je peux aller voir des nouvelles copines. Là, c'est ça qu'elle me raconte aussi. Et puis aussi, parce que Manouche, dans le troupeau, tu vois, on parlait d'archétype tout à l'heure, ben Manouche, c'est un peu la maman protectrice. C'est-à-dire que souvent, avec les nouveaux chevaux, c'est elle naturellement qui vient un peu... C'est la première, tu es descendue, mais c'est la première qu'elle allait les voir. C'est la première qui a été les voir, j'ai vu, ouais. Ça a un peu gueulé, mais bon, ça va pas. C'est elle qui a été les... Ouais. Et ça, je suis pas trop étonnée. Moi, j'aime beaucoup citer un gars qui s'appelle Aziz El Amrani, qui est un grand, grand professeur scientifique marocain, un chercheur, physicien, neurobio, enfin un type avec un bagage de dingue, qui a une histoire très particulière. Il a fait 7 AVC, donc il est passé 7 fois de l'autre côté, ce gars. Quand je suis allée le voir en conférence, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il nous dit, aujourd'hui, scientifiquement, c'est prouvé que ce qui est autour de nous dans l'univers... Ce qu'on voit de cet univers, c'est 1%. Le visible représente 1%. L'invisible représente 99% de ce qui se passe autour de nous. Et j'adore cet argument pour dire aux gens, oui, bien sûr, on n'explique pas tout, on comprend pas tout et on voit pas tout, et c'est une bonne nouvelle. Voilà, on n'est pas obligé de toujours vouloir tout prouver, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et un cheval, s'il dit ça, et comment, et manin, et le comportement, et il y a des choses des fois qu'on n'explique pas. Moi, je ne peux pas expliquer pourquoi il y a des chevaux qui sont venus se coucher à côté de moi quand j'étais malade, pourquoi il y a des chevaux qui sont venus spontanément sur un enfant qui avait besoin de tel ou tel soin, pourquoi dans le troupeau, ils ont des relations qu'on... Voilà, que même les éthologues aujourd'hui ne peuvent pas forcément expliquer. Et j'aime me dire qu'il y a une part de mystère qui est là, et qui peut justement nous remettre à une place humble d'être humain et nous dire qu'ils ont encore plein de choses à nous apprendre.